Bonjour tout le monde, attendez, je vais enregistrer ici. Bonjour tout le monde ici sur ma page Facebook et dans le groupe des femmes magiques et aussi les porteuses de lumière. Voilà, je me lance, je me lance. J'ai ce sentiment, ce matin j'avais ce sentiment, je me dis, je dois aller là et je dois leur dire, je dois parler de cela parce que... Ça va peut-être être difficile à dire. Hein. Je vais voir ce qui arrive. Donc, en fait, ce soir, on va commencer à danser les archétypes féminins. Et si tu as lu et si tu as étudié un tout petit peu les archétypes féminins selon Carl Gustav Jung, tu vas tout comme moi être totalement fasciné par ce concept. Mais c'est encore différent de lire et de comprendre avec la tête que de incarner ces archétypes. Je vais regarder en fait si j'ai choisi le bon micro, oui. Que de incarner ces archétypes et de sentir au fin fond de toi cette femme et ces femmes que tu es ici. À l'instant présent, dans ton corps, mais que tout ça est une longue histoire de lignées de femmes et d'êtres humains qui te ont précédé. Et ton corps, il tient cette mémoire. Et comme je dis toujours, c'est juste ça se passe en dessous de ton nez là, c'est juste là. Et tu es peut-être comme moi, j'étais coupée. Où est-ce que tu es coupé? Ouais. Décapité du genre, de ton corps en fait, pas de ta tête. Tu es dans ta tête, mais de ton corps. Décorporé, comme ça on dit. Alors que la magie, cette connexion, cette danse entre le fini et l'infini a lieu exactement ici et maintenant. Et tu peux capter tout ça avec ton corps. Et moi, quand je devenais femme, ouais, à la puberté, c'était pour moi une chose angoissante, quelque chose que je ne pouvais pas envisager. J'étais bien enfant, mais aller me lancer dans cette vie sur Terre, ça me paraissait une chose que je ne voulais pas. Je ne voulais pas partager, participer dans la folie du monde. Et le monde, je pense qu'il n'est pas meilleur aujourd'hui. Et je ne voyais pas du tout quelle puissance, qu'est-ce que je pourrais faire. Je me voyais totalement impuissante. Donc je me dis, si je ne peux rien faire pour changer ce monde, je ne veux rien faire. Laisse-moi disparaître. Comment est-ce que je peux disparaître? Et tu sais, tu vas envoyer des messages d'une manière inconsciente à tout ton être, peut-être à ton corps, ce gentil corps. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que mon inconscient a fait avec moi? Il a essayé de me faire disparaître physiquement. Je suis devenue anorexique. Ouais, et boulimique en même temps. Et cette déconnexion de mon corps, cette angoisse de ce truc qui tout d'un coup pousse, qui est hors de mon contrôle. Ouh, ça c'était, je ne sais pas si tu peux comprendre ce que je raconte ici, et peut-être tu n'as aucune idée pourquoi je le raconte, mais c'était affreux. Vivre avec la peur au corps, la peur dans la peau, la peur de moi-même, et du coup, la peur des autres, la peur que les autres pourraient voir ma peur. La peur que les autres pourraient juger mon apparence. Qu'est-ce que j'ai donc fait? Je me suis cachée derrière une façade. Et derrière la façade, il y avait cette peur et un grand vide. Et je connaissais trop bien ce grand vide. Je connaissais trop bien ma peur. Et en plus que j'étais anorexique boulimique, j'ai mis tout là-dessus toute ma vie. Du genre 30 ans. J'ai mis tout sur la faute là-dessus. Je me dis, oh, je suis malade.
Je n'ai même pas vu ça comme une maladie. J'ai vu ça comme une grande faute, une grande tare, une grande incapacité de ma part de vivre comme tout le monde et d'être normal et de pouvoir encaisser les coups de la vie. Et quand j'encaisse les coups de la vie, il faut que je mange. Et donc, moi, je vivais ça comme ma faute, mon grand truc à cacher devant tout le monde. Donc, cette façade était vraiment importante. Et je ne pouvais jamais le raconter, et je ne pouvais jamais le dire. Et ça a, au fur et à mesure que je suis devenue amoureuse de mon corps, amoureuse de moi-même, amoureuse de qui je suis et de ce que je viens faire ici, au fur et à mesure, j'ai compris que ce symptôme, cette béquille, cette bouée de sauvetage, merci qu'elle était là. Mon inconscient m'a fabriqué un truc alors que je n'avais pas la force intérieure d'assumer la vie, de vivre la vie. Bon, ça m'a permis de vivre. Ça m'a permis d'avancer dans ma vie. J'avais heureusement ça. J'avais plusieurs béquilles. Ouais, j'avais la béquille de la danse et aussi ici, Dieu merci. Dieu merci aussi pour cette souffrance en réalité. Parce que si je n'avais pas été brûlée à vif à l'intérieur, et si je n'avais pas cette soif d'amour, cette soif de remplir, ben je serais jamais qui je suis maintenant. J'aurais jamais fait toutes mes erreurs. Ça faisait trop mal pour rester là où j'étais. Donc il fallait que je bouge, il fallait que j'essaye. Et je peux te dire que j'ai essayé tellement de choses. Par exemple, une des choses, et peut-être ma vidéo ici va être longue, mais peu importe. Tu sais, moi, je viens ici parce que je sais que je dois le raconter. Je sais que peut-être qu'il n'y a qu'une seule personne, mais qui va pouvoir dire, ah, j'ai vécu ça aussi, je m'en suis peut-être pas encore sortie, et donc aucune idée où je vais. Mais donc, quand j'étais dans ce désespoir, dans cette course, je ne sais même pas comment dire, le désespoir qui me gagnait de plus en plus en plus, qui me rongeait de l'intérieur, alors que j'étais meilleure de classe, ça c'était mon truc, tu sais, ça faisait partie de ma façade. Plus je suis meilleure de classe, plus tout le monde va croire que je vais bien. Et plus je suis mince, plus tout le monde va croire que je vais bien. Je faisais du ballet. Plus je suis performante là-dedans, tout le monde va croire que je vais bien. Et en fait, moi-même, je me mentais à moi-même. J'essayais de me dire, si tu fais tout ça, Goudron, tu vas bien à l'intérieur. Et donc, quand je ne pouvais pas être première de classe ou première dans le corps de ballet, que je n'étais pas, la classe, oui. Moi-même, je me dis, OK, non, c'est pas assez bien. C'est pas, t'es pas à la hauteur là, de cette façade dont tu as besoin pour pouvoir tenir debout. Très, très, très exigeante avec moi-même. Très. Et maintenant, je vois, peut-être que c'était aussi ma mère qui est comme ça, tu vois, ma mère, c'est pas n'importe qui, m'a drillée, dressée. Et maintenant, je vois tous les. Ça a été une souffrance, ouais, parce que je ne l'ai pas compris. En fait, je ne l'ai pas utilisée. En fait, ce sont des forces que j'ai. Mais je les ai retournés contre moi, si tu veux. Donc, ce que je voulais dire ici avec cette fuite, comment est-ce que je peux fuite en avant? Oui, nous les êtres humains on fait ça quand on a peur. Regarde ce que toi tu fais. Est-ce que tu es complètement je fais plus rien dans ma vie? Est-ce que tu cours, tu cours, tu cours, tu t'occupes, jamais tu t'arrêtes, jamais tu es dans le silence, jamais tu es seul avec toi. Tu es en fuite, tu es en fuite. Faut regarder les choses en face, ce miroir qui fait mal. Mais heureusement qu'il est là. Et qu'est-ce que c'est ce miroir? C'est ta vie, c'est les relations. Donc moi, qu'est-ce que je faisais dans cette fuite, cette course à trouver comment je peux remplir mon intérieur, comment est-ce que je peux me faire confiance, comment est-ce que je peux épancher cette soif d'amour? Par exemple, une des choses que je pensais, je me dis, tout le monde parle à cet âge-là, tu vois. Tout le monde parle de l'orgasme et tout. Je me dis, ça, c'est la solution. Mon Dieu, la première fois que j'ai fait l'amour, j'étais dégoûtée pendant 2, 3 ans. Je me dis, il ne faut plus m'en parler. Premièrement, ça ne donne rien. Et deuxièmement, ça ne remplit rien du tout. Et donc, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché. Heureusement que dans mon histoire personnelle,
J'étais tellement loin dans cette souffrance que je pense que j'aurais mis fin à ma vie. Je serais peut-être devenue complètement alcoolique, droguée, je ne sais pas quoi. Parce que je pouvais plus supporter. Je cherchais des solutions à l'extérieur. Donc tout ça ici pour dire, parce que ce soir, nous commençons à danser les archétypes féminins. Et le chemin que moi j'ai fait, la transformation, qui ça, tu vois, ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai pas cherché de l'aide à l'extérieur. J'ai cherché des solutions, mais comme les êtres humains pour moi étaient source de jugement, source de tu peux être blessé, moi j'ai pas cherché spécialement. Bon, chez les psys et des choses comme ça, mais ça, c'est limité aussi. Hein. Tu vois, ça, c'est, chaque chose arrive dans son temps. Mais pour beaucoup de choses, je n'ai pas cherché d'aide. Et ça a pris donc plus de temps. Si j'avais été vraiment sincèrement chercher de l'aide, si j'avais pris quelqu'un pour m'accompagner, me guider, un vrai guide, à ce moment-là, j'aurais fait ce chemin plus vite. Mais je pense. Je ne suis pas si sûre, chaque chose arrive dans son temps. Donc, je ne sais pas où tu es, tu en es ici. Et en fait, je ne sais pas voir les commentaires, si jamais quelqu'un fait des commentaires ici, parce que je stream ça dans les deux groupes. Et je vais aussi expliquer pourquoi je fais ça. Et donc, je vais regarder si vous mettez des commentaires, je vais les lire après. Et nous allons donc danser les archétypes du féminin. Et pour moi, c'est absolument magique. C'est qui se va se passer pendant ces 12 danses, ces 12 méditations dansées. Parce que non seulement nous allons nous connecter énergétiquement à cette mémoire de la lignée, et c'est une mémoire qui est très vive, je peux te le dire, elle est très présente encore, il a ça dans dans ses gènes, c'est inscrit, tu peux y retourner, tu peux te connecter. Nous allons utiliser la magie de la musique, qui elle en elle-même, elle allume quelque chose dans notre corps. Et nous allons, en plus de cela, mettre le pouvoir, la puissance de notre intention vers 2021, vers l'année prochaine, où chaque mois va avoir. Non, ferme, ferme. Pas. Ah, ok. Bon, voilà, vous voyez que c'est improvisé, je peux même pas faire pause ici. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, nous allons mettre l'intention dans chaque mois d'un archétype, que nous allons nous connecter aux qualités de cet archétype. Et en le dansant dans cette méditation guidée, nous allons être cet archétype incarné. Cet archétype, pas ici, mais là. C'est là que la vie se passe. Dans ta tête, tu es dans le passé, dans l'avenir. Tu n'es pas dans la présence, dans ton cerveau, une partie de ton cerveau. Ouais. Donc, le corps, nous allons incarner, nous connecter à ces qualités. Et ça va, c'est un chemin, ça. Nous allons faire ça, 20 minutes. Et donc, projeter, mettre notre intention sur le mois de l'année prochaine, respectif. 12 archétypes, 12 mois, tu vois la magie dans cela. Et donc oui, dans ma vie, la danse était une de mes béquilles. Maintenant, c'est un de mes outils magiques parce que tout est mouvement dans la vie, dans le cosmos, dans l'univers, tout est mouvement. Et j'ai le privilège d'être sur Terre, d'avoir le corps et de pouvoir faire partie de cela. Et dans le mouvement qui est une forme de danse, ouais, enfin je suis là où j'ai rêvé être quand j'ai commencé d'avoir la responsabilité de ma vie. Quand tu es enfant, ce sont les parents. Et après, tu prends ce sceptre, tu prends cette responsabilité. Et moi, je ne l'ai pas prise. Je me suis dit, je ne prends pas cette responsabilité, elle me fait peur, je n'ai aucun pouvoir, je n'ai pas grandi de l'intérieur, je suis une victime de la vie, je suis une grande victime de moi-même.
Et ça m'a pris le temps, tu vois. Donc, ne prends pas autant de temps que moi. Je pense que je fais ce que je fais parce que, premièrement, je le souhaite à personne de rester longtemps dans une manière de vivre comme ça, où tu ne connais pas ton pouvoir, tu ne peux pas prendre la responsabilité, et du coup, les autres le prennent à ta place, et du coup, la vie t'arrive. Et tu as l'impression que tu sais rien faire. Tu sais faire par petits morceaux peut-être. Et donc maintenant que les choses ont changé, maintenant que j'ai cette responsabilité, je l'ai prise. Et la vie, ma vie est devenue magique outre mesure. Magique, j'ai pas de mots, j'ai absolument pas de mots pour exprimer ça. J'ai un groupe, et je mets cette vidéo aussi dans le groupe, qui s'appelle porteuse de lumière. Donc, si tu es dans ce groupe, tu es une porteuse de lumière. Tu es dans mon univers parce que j'attire vers moi des porteuses de lumière. Qu'est-ce que c'est une porteuse de lumière? Ben, c'est quelqu'un qui non seulement prend la responsabilité de sa vie, qui a une mission de vie, qui a cette soif, ce moteur à l'intérieur de dire, OK, j'ai quelque chose à partager, je suis riche. Je veux aussi aider. Je suis là pour aider. Je veux faire quelque chose comme ce que moi j'avais, sauf que je savais pas comment faire. Et donc, à apprendre, tu peux apprendre comment faire. Ça, c'est la partie la plus facile. Ce qui est important, c'est que tu reconnaisses cette richesse que tu as à l'intérieur. Je dis toujours, tu es assis sur un trésor, n'est-ce pas? Et donc, mes porteuses de lumière dans ce groupe de femmes entrepreneuses ou des femmes avec une mission de vie qui vont changer ce monde, ou le rendre meilleur, voilà, porteuse de lumière, n'est-ce pas trop magnifique? Et l'autre groupe où je stream aussi, et bonjour à tout le monde dans le groupe aussi, les femmes magiques de la Chandora, on appelle comme ça la méthode que j'ai donc développée. Et merci d'être là, et merci de celles qui me regardent ici, jusqu'à maintenant en plus. Et je voulais donc partager ça, ce travail que j'ai le privilège de faire, de aider les femmes à incarner leur vraie identité, cette âme lumineuse qui est là à l'intérieur, de pouvoir vraiment dire c'est moi, et c'est lumineux, et j'ai une richesse à partager, j'ai une lumière avec laquelle je peux donc, s'il y a des bougies éteintes, passer le feu. Et toi, probablement que tu m'écoutes, que tu ne sois pas encore dans mes groupes, probablement, non, pas probablement, tu as cette lumière. Nous avons tous cette lumière, sinon on ne serait plus là. Ouais, regarde ton souffle. Il se peut que cette lumière est éteinte. La vie a soufflé comme ça dessus. Chou! Éteinte. Et ça, tu le sais. Quand tu es éteinte à l'intérieur, moi, c'était ma grande peur. C'est comme ça que j'ai quitté mon mariage. Je me dis, si je reste là-dedans, je vais m'éteindre à l'intérieur. Et je ne savais pas que quelqu'un d'autre pourrait repasser la flamme. Sache-le, si tu te sens éteinte à l'intérieur, pas un problème. C'est une bougie. Il suffit que tu en trouves une autre et cette flamme va se rallumer et tu ne te sentiras plus du tout éteinte. Tu es une porteuse de lumière. Que ta lumière soit éteinte ou qu'elle soit déjà allumée, it's not a big deal. C'est pas grand-chose, juste la flamme. Pouf. Et avec mon travail, non seulement c'est quelque chose que j'ai le privilège de faire, réallumer une flamme ou attiser un feu, et quel meilleur endroit pour le faire que d'avoir que ça ait lieu dans tes cellules, dans la terre-mère. Toi, ici, c'est emprunté tout ça. Bientôt, ce ne sera plus là. Ça vient de la terre-mère. Autant que je puisse vraiment danser, être présente dans cette danse de l'infini et du fini, de ce souffle, de ce corps, autant que je puisse être présente, parce que ça a lieu à chaque instant, et célébrer. Et donc, dans ce travail des archétypes, je m'en réjouis.
L'idée m'est venue, j'étais ici dans ma chambre de Rarum, je méditais le matin et boum, j'ai eu cette vision. Je me dis, c'est ça que tu vas faire, Gudrun. Parce que dans les 12 nuits de Yule qui ont commencé et où les personnes sont inscrites, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas inscrites à cela pour des raisons. J'avais 800 personnes dans cette inscription pour la célébration du solstice d'hiver. Waouh! Tu vois? Donc, quand j'étais là avec ma méditation, c'est ça qui est venu. Tu vas leur donner cette possibilité de travailler avec les archétypes et sur l'année prochaine et incarner ça. C'est si puissant. Ça, c'est quelque chose de magique. C'est quelque chose qui fait beaucoup de plaisir, enfin, qui est magique et qui en même temps est très fun. On s'amuse en même temps, c'est profond, mais en même temps, là, on a tellement de joie. Donc voilà, je t'invite à faire ça. Je t'invite à participer à ça avec nous. J'ai mis un minuscule prix symbolique. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'un effort de ta part, il y a besoin d'un engagement de ta part pour quelque chose de aussi beau. Il y a besoin d'une conscience de ta part et une décision de ta part que c'est quelque chose que tu veux faire pendant les 12 prochains jours. Nous commençons ce soir. Tu peux nous rejoindre quand tu veux. Ce travail est magique, il reste magique et j'espère que tu vas nous rejoindre. Parce qu'une fois que à l'intérieur, ça grandit comme ça, à l'intérieur, tu sens cette énergie, tu sens cette présence, tu vis cette raison pour laquelle tu es là, ta vie devient inévitablement magique. Je l'ai vu, j'ai été témoin encore et encore et encore. Et c'est puissant et il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'on sent quand on se trouve à cet endroit. Donc, à mon avis, même si je ne sais pas mettre de mots dessus, tu connais, tu sais de quoi je parle. Et donc, célébrons ça ensemble, faisons quelque chose d'une manière puissante, d'une manière avec l'intention, pour mettre cette magie, cette intention et la magie dans 2021. Je pense que le monde a besoin de nous parce que 2021 ne va pas se faire tout seul. Hein? Autant que toi, tu sois au bon endroit. Autant que toi, tu sois dans ta puissance. Autant que toi, tu sois la femme puissante, la femme, les femmes, tous ces archétypes, que tu sois consciente de ta richesse et puissante dans ta richesse. Voilà. Ce que je voulais donc dire aujourd'hui, c'est sorti. Je suis toujours comme c'est vraiment. Je prépare pas mais je prépare pas ce que je vais dire et aussi je ne prépare pas. Tu sais, j'ai aucune idée de ce que je vais faire ce soir. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que si je prépare beaucoup de choses, etc. Je vais plus être dans ma tête et dans la théorie et dans le chemin. En fait, je suis assez. Ce que j'ai appris, ce que je suis, tout ce que je suis pour le moment est assez. Je dois juste pouvoir m'ouvrir et me connecter à ce que j'ai de magique à l'intérieur, être à l'écoute. Et donc, je suis toujours la première à bénéficier des exercice, comment tu vas, quel mot tu vas mettre là-dessus, de ce que nous faisons dans les cours dans les ateliers de Chandra et ce soir avec les archétypes. Je suis la première à bénéficier de ce travail parce qu'il me traverse, il vient, je prépare même pas la musique, juste pour te dire le degré de confiance que j'ai dans ça. Et ça, c'est ce que je souhaite pour toi. Comme ça, tu veux vivre. Gros bisous, portez-vous bien. Si vous venez ce soir, je serai vraiment honorée de faire ça avec vous. C'est mon privilège et j'espère qu'en fait, que vraiment tout le monde qui entend cette vidéo va simplement se rejoindre
à cette célébration, cette méditation dansée des 12 archétypes. 12 archétypes jusqu'au 10 janvier. Grand bisous et à très bientôt.